Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je fais une vidéo pour une petite dédicace pour une personne qui me suit. Donc cette personne est une petite fille de 7 ans il me semble, si je ne me trompe pas, et si maman m'a donné les bonnes informations. Et donc cette petite fille donc se nomme Shannon et je sais que tu me suis et je sais que tu regardes beaucoup mes vidéos, que tu prends exemple sur moi. Je te donne juste un petit conseil de youtubeuse de beauté. À 7 ans on évite de se maquiller pour pas abîmer ta peau. Mais je vais te donner aussi un petit make-up que tu peux faire sans abîmer ta peau, bien sûr, puisque à ton âge, nous n'avons pas besoin de fond de teint, nous n'avons pas besoin d'anti-cerne et nous n'avons pas besoin de poudre ni de blush, on n'a pas besoin de tout ça. Donc pour les petites filles qui sont comme toi, qui me suivent, qui me regardent, qui regardent mes vidéos, qui mettent des j'aime, je peux vous faire une petite vidéo si vos parents vous autorisent à vous maquiller, puisque moi ma maman ne m'autorisait pas à me maquiller pas avant 18 ans. Donc si vous avez des mamans qui vous autorisent, vous avez énormément de chance, mais n'en abusez pas non plus puisque le maquillage n'est pas forcément très très bon pour la peau. Donc je vais vous donner un petit maquillage que vous pouvez faire de temps en temps pour les fêtes, pour vous faire plaisir si maman est d'accord, si papa est d'accord aussi. Donc ce sera dans les couleurs roses, donc pas la peine de mettre du rouge ou du bleu, c'est pas la peine. Ne mettez pas des couleurs qui ne vous vont pas quand on est une petite fille du rose, c'est très très bien. Donc moi j'ai fait mon teint parce que je suis obligée, parce que je suis une vieille et que ma peau forcément a pris un petit peu aussi et que j'ai des impuretés, j'ai la pollution, j'ai plein de choses qui fait que ma peau n'est pas au top non plus et que voilà, il faut que je cache un petit peu les impuretés. Mais par contre toi Shannon qui n'a que 7 ans et qui n'a pas forcément besoin de fond de teint, tu peux utiliser une bébé crème si maman t'autorise à le faire. Donc une bébé crème Skin Essentiel, donc c'est une 601 que tu trouves dans les magasins Action. Donc tu peux demander à maman d'aller à Action, c'est maman qui va être contente, je te fais des gros bisous. Donc tu peux mettre une bébé crème juste pour unifier un petit peu ton teint si tu en as besoin, mais je ne pense pas que tu n'en as besoin. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais pas faire de make-up waouh parce que c'est pas mon but aujourd'hui. Je vais juste faire un petit make-up pour toi ma petite Shannon que tu pourras faire quand maman t'autorisera à le faire et quand tu seras gentille avec maman. Donc pour cela, donc comme je te le disais, moi je vais juste mettre un petit peu d'anti-cerne sur les yeux pour faire la matière. Mais toi je pense pas que tu en aies besoin, hein. Donc c'est pas la peine d'en mettre la puce, hein. Voilà. Et donc je vais prendre un rose pâle, tu vois, celui-ci. Donc qui est le 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième, en partant de la droite sur la palette de Max & More que j'ai eu à Action aussi. Donc tu peux le prendre comme ceci, voilà, et tu le mets sur toute ta paupière. Voilà, ensuite toi, tu mets juste un peu de mascara pour allonger un petit peu tes cils, mais c'est pareil, à ton âge on n'en a pas forcément besoin. Donc je vais pas mettre de blush puisque tu n'en as pas besoin. Je vais pas te montrer les choses que tu n'as pas besoin de faire. Et tu peux mettre un petit rouge à lèvres, un petit peu rosé aussi. Tu peux mettre plus clair aussi, c'est pas un problème. Tu demandes à maman, maman elle sait très bien se maquiller aussi, hein. Donc voilà.
pour le maquillage, c'est fini. Maintenant, je vais te donner la petite astuce du bandeau pour que tu puisses faire une petite coiffure sympa pour toi l'été, sans pour autant faire trop de chichi, parce que je te dis, quand on est une petite fille de ton âge, c'est très bien de rester un petit peu plus naturel et c'est très bien de ne pas abîmer ta peau avec du maquillage. Après, parce que plus tu vas te maquiller jeune et plus ta peau sera abîmée par la suite. Donc ce que je te conseille, c'est surtout de bien te démaquiller quand tu te maquilles. C'est surtout bien te démaquiller. Donc pour te démaquiller à ton âge, les lingettes démaquillantes, vaut mieux éviter. Donc ce que je te propose, c'est que tu te démaquilles avec du lait de toilette pour bébé. Une fois que tu as enlevé le plus gros, tu enlèves un petit peu le reste avec de l'huile d'amande douce que tu trouves aussi en magasin. Des petites fioles à 2 € grand maximum. Et ensuite, tu peux te faire un petit masque avec du miel et du sucre. Tu fais ton gommage. Et ensuite, non, en fait, tu fais ton gommage avec de l'huile d'olive et du sel que tu gommes un petit peu sur ta peau. Et ensuite, tu fais juste un masque avec un peu de miel. Tu laisses même pas 5 minutes. Tu rinces et tu mets de la crème quand même pour hydrater ta peau. Parce que si tu te maquilles, il faut hydrater ta peau pour la protéger quand même. Donc voilà. Donc tu fais ça, je demanderai à ta maman si tu prends vraiment soin de ta peau et si tu ne te maquilles pas trop, parce que tu n'es pas vraiment en âge de te maquiller. Mais je sais que ta maman m'a dit que tu aimais mes vidéos et que tu aimais mes maquillages. Donc je te propose un petit maquillage de rien du tout pour pouvoir faire ton petit make-up quand tu auras envie de le faire. Maintenant je te retrouve pour la petite astuce du bandeau pour que tu puisses avoir un petit look d'été assez sympa. Donc je la défais et je la refais pour toi. Coucou ma petite Shannon. Donc je te retrouve maintenant pour une vidéo, pour une coiffure. Donc pas trop de chichi, c'est pas la peine. Donc on va retrouver cette coiffure avec un bandana que tu retrouves aussi dans les magasins d'Action. Il me semble que ça doit être 75 centimes. Deux petites barrettes. Donc voilà. Et une brosse avec un élastique. Donc un petit élastique comme ceci. Donc pour commencer, tu vas te faire une queue. Donc pas trop haute et pas trop basse. À ce niveau. Voilà. Ensuite, tu vas t'occuper de ta mèche. Si tu en as une, si tu n'en as pas, tu t'en occupes pas. Moi, j'en ai une. Donc je vais la mettre bien en arrière. Puis je vais la tourner un petit peu comme ceci. Et la pousser en avant. Et ainsi je mets ma barrette. Ensuite tu vas juste prendre ton bandana. Que tu vas passer en dessous de ta queue de cheval. Tu vas venir mettre le coin du milieu. Attends, parce que j'ai fait une bêtise. Le coin du milieu, tu vas venir le mettre ici, là où tu avais ta première barrette. Et tu ajoutes ta deuxième barrette. Ensuite, il ne te reste plus qu'à prendre les deux coins qu'il te reste et à le passer sur tes oreilles. Et tu fais un petit nœud. Alors là, attends, je t'embête un petit peu parce que là.
Voilà, donc en 5 minutes, tu peux te faire une petite coiffure sympa et un petit maquillage pour l'été. Mais promets-moi que tu ne te maquilleras pas tous les jours et que tu feras très attention à ta peau. Je te fais de gros bisous, ma petite Shannon, et je te retrouve bientôt pour une autre vidéo, pour un make-up ou pour une coiffure. Je te retrouve après mes vacances, donc ce sera vers le 5 août. Donc je te retrouve très très bientôt et je viendrai bientôt en réalité chez toi pour venir te faire un petit coucou. Je t'embrasse, ma puce.